drôle de minute de Labajon sur Rire et Chanson. Si vous pouvez la regarder droit dans les yeux, c'est que vous n'avez pas peur du vide. J'ai nommé Cynthia, des anges de la télé-réalité. Stop, arrêtez tout. J'ai vu les résultats des européennes. Il faut qu'on se mobilise pour le deuxième tour. Ah non, mais là, Cynthia, c'est fini. Les européennes, ce n'est que sur un tour. Maintenant, ça va être les législatives, là, les 30 juin et 7 juillet. Hein, Ah bah super, en plein pendant les JO. Non, les JO, c'est du 26 juillet au 11 août. Mais vous n'êtes pas allé voter dimanche dernier, alors? Bah, je voulais, mais je suis tombée sur un endroit où il y avait plein de cabines d'essayage. J'ai même entendu les gens dire, on veut le même qu'en 40. C'était un bureau de vote. En 40, on était sous l'occupation, ça n'a rien à voir là. Vous étiez dans une... Je connais l'histoire, Bruno, hein, et je peux te dire que si la France, ça avait sonné occupé, il n'y a personne qui aurait répondu à l'appel du général de Gaulle. Oh, pas sûr. Mais alors, pourquoi vous n'avez pas cherché un autre bureau de vote, du coup? Bah, j'ai cherché, et puis je suis tombée dans un autre endroit avec plein de facteurs qui préparaient le courrier. Et quand j'ai vu les noms qui glissaient dans leur de courrier, bah, je me suis dit, c'est le même bureau de poste où le timbré, il est dans l'enveloppe. Non, ça c'était encore un bureau de vote, mais du coup, là, c'est à cause des gens comme vous que les extrêmes ont fait d'aussi gros scores, je vous signale. Hein. Bah, les médias, ça fait des années qu'ils disent que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. C'est normal qu'à un moment, il y ait quelqu'un qui aille leur ouvrir. Et puis, si ça peut te rassurer, les sièges au Parlement européen, ils sont comme toi. Il y a quand même peu de chances qu'ils voient un cul. Alors, ça ne vous préoccupe pas, cette percée des extrêmes à travers l'Europe? Non, et je ne comprends pas pourquoi on compare ce qui se passe aujourd'hui avec ce qui s'est passé en 41. Il n'y a personne qui est en train d'envahir l'Europe, et on n'est pas en train de monter les gens les uns contre les autres pour qu'ils n'hésitent pas à s'entretuer. Et puis, même si ça arrivait, et j'ai dit mime, ouais. Et puis même si ça arrivait, les gens ont un minimum de mémoire, ils ne retomberaient pas dans le panneau. Hein. J'ai trop réfléchi, je viens de me luxer un love. C'était Cynthia ce matin dans la drôle de minute de la bataille.